Chapitre 7. À un certain point, l'extraordinaire devenait ordinaire. Prasamédès n'était pas sûr de savoir à quel moment le Vengeance d'Ithraca avait atteint ce stade concernant les sauts de puce. Probablement quelque part entre le 8e et le 10e, se dit-il, alors qu'il observait le compte à rebours avant la prochaine translation sur l'affichage principal. Au cours de ses recherches, il avait lu qu'à une certaine période des guerres sur Terra, les navires utilisaient la force motrice du vent capturée dans d'immenses voiles. Si cela permettait aux anciens terrans de puiser dans une source d'énergie naturelle et inépuisable, cela les laissait aussi à la merci des caprices de la météo. Quand un navire était encalminé, le commandant pouvait exiger que des barres soient descendues et attachées au vaisseau au moyen de cordes, afin que celui-ci soit tracté par la force des bras de ses marins. C'était, pour les membres d'équipage forcés à ramer, une épreuve particulièrement lente et douloureuse, dont le but était d'amener le navire à un endroit où il pourrait à nouveau prendre le vent et utiliser ses voiles pour avancer. Au lieu de rameur, le Vengeance d'Ithraca dépendait d'un moyen cinétique à l'instant où son réacteur warp était activé. Un timing précis était nécessaire pour assurer au vaisseau une inertie maximale lors de son entrée warp. De ce fait, les sauts courts éprouvaient non seulement les deux navigateurs valides, mais aussi les calculs des technoprêtres et la discipline de l'équipage de commandement. Afin de préserver le mouvement le plus longtemps possible, le champ de Geller qui capturait une bulle de réalité autour du vaisseau ne devait être activé qu'au dernier moment. Tout retard au-delà de ce point équivalait à exposer le vaisseau à la puissance brute du warp. Une activation prématurée, en revanche, aurait eu pour effet de supprimer l'élan gagné et de raccourcir la distance du saut. C'était la même chose lorsque l'on essayait de regagner l'espace réel. Si les réacteurs à plasma étaient allumés quand le champ de Geller était encore actif, la nature rétorsive de la bulle de réalité risquait de rediriger le flux de plasma vers le vaisseau, ou bien le Vengeance d'Ithraca pouvait déchirer lui-même sa propre capsule protectrice. Néanmoins, un mouvement relatif était nécessaire pour permettre au vaisseau de franchir l'espace translationnel entre le warp et l'espace réel. Généralement, celui-ci était fourni par l'action du warp lui-même, grâce au courant qu'utilisaient les navigateurs pour recréer une forme de déplacement spatial au sein d'une dimension dans laquelle ni le temps ni l'espace n'existaient réellement. En l'absence de son équivalent warp, la seule source de mouvement qui pouvait être utilisée était l'inertie décroissante du vaisseau lui-même. Bien que le warp fût presque entièrement aplani, il conservait juste assez de granularité pour créer une friction au conservait juste assez de granularité pour créer une friction au contact du champ de Geller du croiseur. L'effet était imprévisible et savoir quand ressortir dans l'espace réel était autant une affaire d'instinct et d'expérience pour Kosa et son cousin qu'une donnée calculable. S'ils effectuaient le saut trop tard, ils rebondiraient contre la barrière d'impossibilité, comme l'avaient baptisé les technoprêtres, et dériveraient pour finir par s'immobiliser complètement dans l'espace warp, où ils resteraient bloqués jusqu'à ce que des courants réapparaissent. A l'inverse, raccourcir un saut de quelques semaines-lumière seulement aurait pour effet d'augmenter le nombre global de sauts qu'ils auraient à effectuer avant de regagner une zone de traction au sein du warp. Prasamédès détestait les conjectures, mais avait essayé d'arrêter de comprendre toutes les subtilités d'interaction entre le physique et l'immatériel. Comme le capitaine, il n'avait d'autre. S'ils se trompaient dans leurs calculs, il n'y avait rien que les Space Marines puissent faire pour rattraper leur erreur. Alors que le compte à rebours approchait de l'instant zéro, le lieutenant regretta de s'être attardé si longtemps sur ces questions techniques. Les sauts de puce avaient perdu leur vernis de normalité quand il avait réfléchi réellement à ce qu'ils étaient en train de faire. Les risques qu'ils affrontaient à chaque saut n'en étaient en rien diminués par la pratique. La répétition ne faisait qu'accroître les risques d'erreur ou de mauvaise synchronisation. Il s'éclaircit la gorge et annonça qu'il restait 1 minute avant le saut. Réacteur warp prêt. Préparation du transfert du contrôle au navigateur. Champ de Geller opérationnel. D'autres confirmations résonnèrent à travers le stratégium. Ascylus était assis sur le trône de commandement, poings serrés sur les accoudoirs, et observait l'écran noir piqueté d'étoiles comme si le vide recélait quelques secrets concernant ce qui allait suivre. Ou peut-être que la mâchoire serrée du capitaine n'était qu'un signe de sa frustration. L'étoile au centre de l'affichage était Kasparil, leur destination. Après 12 sauts, ils avaient parcouru près des 3/4 de la distance. Encore 4 sauts, peut-être 5. Némétus attendait près de la console du réacteur warp, tandis que Prasamédès supervisait le champ de Geller. Ce genre de travail patient et minutieux n'était pas du goût de l'autre lieutenant. Prasamédès avait consacré quelque temps à expliquer à son homologue que la séquence d'événements qui devait se dérouler à chaque translation n'admettait que la plus petite marge d'erreur. Attendre un peu plus longtemps, inciter les technoprêtres à récupérer un peu plus de puissance des réacteurs ou faire une minuscule correction de trajectoire en suivant son instinct était interdit. Némétus avait affirmé ne pas nourrir ce genre de pensée et jusqu'à présent avait respecté sa promesse de ne pas intervenir au cours du processus. 30 secondes, annonça Prasamédès.
Rediriger la puissance vers le réacteur warp, ordonna le capitaine. Réorientation en cours. Les vibrations du vaisseau se modifièrent imperceptiblement. Astyllus attendit le palier des 25 secondes. Réduisez la puissance des réacteurs à 65%, droit devant. Les officiers de navigation exécutèrent les ordres, ce qui provoqua un nouveau changement de tonalité dans le bruit de fond du vaisseau. Transfert du contrôle du réacteur warp au pilastre de navigation, annonça Nemetius. Tous les systèmes sont opérationnels. Pradzamedes prit une inspiration un peu plus longue que la normale, comme il avait fait pour chacun des sauts précédents. Il ne voulait pas changer la moindre chose à leur routine et se tenait exactement au même endroit, tout comme chaque membre d'équipage était assigné au même poste. Il prit la parole alors que le compte à rebours affichait 20 secondes. Générateur de champ de Geller sous tension. Prêt à l'activation. Tous les ponts sont sécurisés pour la translation warp, confirma le capitaine Oloris. Bouclier void inactif. Bouclier de navigation inactif. Alors qu'il parlait, le vidéolithe principal s'éteignit pour ne laisser qu'une dalle grise ardoise accrochée au mur. Les volets warp condamnèrent tous les hublots extérieurs sur l'ensemble du vaisseau, tandis que les flux visuels étaient désactivés. Toute sortie énergétique, risquant d'interférer avec le champ de Geller où le réacteur warp était coupé, des senseurs aux propulseurs de navigation. Un instant de vulnérabilité avant la translation. Activez le champ de Geller, ordonna Astyllus, hochant la tête à l'intention de Pradzamedes. Le lieutenant n'eut pas besoin de relayer l'ordre. Ses assistants savaient exactement quoi faire. Les contrôles s'allumèrent en gémissant à leur toucher. Les bandes d'augure s'éteignirent lorsque le champ de Geller s'activa. Des ondes chargées d'énergie psychique pulsèrent du générateur situé dans les profondeurs du vaisseau. L'effet était léger dans l'espace réel, rien de plus qu'une tension momentanée, comme une contraction dans la gorge avant de tousser. Aveugle, la vengeance d'Ithraca continuant de foncer à travers le vide dans sa propre bulle de réalité. « Ce warp dans 5 secondes !» s'exclama Nemetius. Il abaissa le levier d'amorçage, les yeux fixés sur le compte à rebours miniature affiché sur la console. 3, 2, 1. Il abaissa le dernier commutateur. Au cœur de l'enginarium, des technoprêtes transmirent l'énergie des réacteurs à plasma au réacteur warp. À l'instar du champ de Geller, ce n'était pas tant un processus physique que psychique dont personne à bord ne comprenait vraiment la technologie, pas même les navigateurs. Des frondes d'énergie bondirent du croiseur et déchirèrent le tissu de la réalité. L'espace réel se scinda en un kaléidoscope de couleurs, d'étranges flashs multicolores que Pradzamedes ressentit plutôt qu'il ne vit, alors même qu'il se trouvait dans l'espace clos du stratégium, quelques murmures brisèrent le silence. Il était impossible, même pour l'équipage le plus discipliné, de supprimer toute sensation de malaise ou d'inconfort. Tel un serpent se débarrassant de sa mue, le croiseur d'attaque abandonna les derniers vestiges de l'espace-temps et plongea dans le warp à travers la faille en train de s'ouvrir. Les lois de la nature cédèrent la place à la matérialisation brute des émotions, le psychique remplaçant le physique. Uniquement protégé par la bulle de santé mentale qui l'entourait, la vengeance d'Ithraca, translation warp effectuée, annonça un serviteur d'un ton monotone à côté de Pradzamedes, incapable de mesurer l'importance dramatique de l'instant du fait de son cerveau limité. L'intervote sonna, annonçant une communication de Kosa depuis la tour de navigation, qui se dressait sur l'échine dorsale du vaisseau tel un paratonnerre au cœur de la tempête. J'ai le con, commença la navigateur, avant de pousser un cri de panique. Des signaux d'alerte clignotèrent sur la console du réacteur warp devant Pradzamedes et les serviteurs se mirent à aboyer à l'unisson d'une voix monocorde. Traction warp négative, traction warp négative, traction warp négative. Des alarmes retentirent simultanément sur le réseau VOTS jusqu'à ce que Pradzamedes les réduise au silence en appuyant sur un bouton. Cessez, ordonna-t-il au serviteur. Kosa, aboya Astyllus en se dirigeant à grands pas vers la console du réacteur warp. L'affichage baignant les membres d'équipage et les serviteurs dans une lumière rouge. « Kosa, au rapport !» Hormis les signaux d'alerte qui émanaient de la console, il n'y avait aucune indication concernant le problème en cours. Pradzamedes pouvait seulement estimer la situation en se fiant aux données, lesquelles évoluaient trop rapidement pour qu'il puisse les suivre individuellement. « Nous glissons, capitaine !» annonça le lieutenant, alors que ses doigts pianotaient sur le clavier pour afficher les dernières secondes de données. « Rapidement !»« Capitaine, les feux warp !» La voix de Kosa mourut, pour être remplacé par des murmures indistincts avant qu'elle ne reprenne la parole. « C'est impossible! Le warp a disparu !»« C'est absurde !» gronda le capitaine. « Que voulez-vous dire, navigateur ?»« Nous sommes au-delà de la frontière d'impossibilité. Mais je ne vois pas l'astronomicon !» chuchota Kosa d'une voix emplie de terreur. « Le warp est aplani, plus plat qu'un miroir, comme le vide, le néant !»« Je détecte un mouvement giratoire !» dit Pradzamedes. « Nous tournons, capitaine. »
Le champ de Geller fonctionne toujours, mes frères, annonça Nemetius, quittant son poste pour les rejoindre. À dire vrai, il fonctionne à 140% de ses capacités. Comment est-ce possible? Demanda Prasamedes. Comment peut-il générer une réalité négative? Parce qu'il ne subit aucune pression du warp, suggéra Ascylus en se reculant. Il regarda autour de lui dans le stratégium, mais hormis l'affichage du réacteur warp, toutes les bandes de contrôle étaient au vert. Si Kosa a raison, reprit-il, rien ne fait obstruction au champ de Geller. Donc, il continue de s'étendre. Réduisez la puissance du champ de Geller de 40%, ordonna Nemetius aux officiers en charge des commandes. Ils transmirent la demande aux technoprêtres dans les entrailles du vaisseau, se jetant des coups d'œil stupéfaits alors que les données continuaient d'augmenter. Continuez de descendre pour maintenir le niveau de couverture actuel. Capitaine, nous déplaçons rapidement sans pouvoir modifier notre direction, déclara. Capitaine, nous nous déplaçons rapidement sans pouvoir modifier notre direction, déclara Kosa avec empressement dans l'émetteur VOTS. Nous dérivons aussi très légèrement, pour autant que je puisse en juger. Si nous ne ressortons pas rapidement dans l'espace réel, nous allons nous retrouver à des années-lumière de notre destination. Compris, navigateur. Permission accordée. Ascylus plia ses doigts, visiblement frustré. Ascylus plia ses doigts, visiblement frustré, mais Prasamedes voyait qu'il n'y avait pas d'alternative et était content que son capitaine fasse preuve de prudence. Vous ne comprenez pas, capitaine, répliqua Kosa d'une voix tremblante. Je ne demandais pas la permission. Nous nous déplaçons à travers le warp tout en étant simultanément privés d'une quelconque ration que nous ne pourrions utiliser pour ressortir dans l'espace réel. J'ai déjà tenté par deux fois de retranslater sans succès. Il y avait des moments où il fallait tout simplement accepter que les événements se déroulent sans qu'on puisse en modifier le cours. Aotep s'était fréquemment résignée à cette réalité depuis qu'elle avait été affectée dans la flotte de Simut. Elle ne pouvait deviner si son ambivalence totale vis-à-vis de ses conseils était simplement de l'orgueil, un manque de confiance en ses capacités en tant que plasmancienne, ou qu'il pensait sincèrement être plus avisé et au-delà de telles considérations. Les systèmes de son vaisseau Nécropole étaient assujettis au protocole de commandement du Tétrarque, réduisant ainsi grandement tout ce qu'elle aurait pu tenter pour empêcher les humains d'utiliser leurs capacités astromantiques. En tant que plasmancienne, elle avait étroitement conscience du flux délicat d'énergie cosmique qui circulait dans l'ensemble du système solaire, de l'éclat radioactif bouillonnant du Soleil, jusqu'au champ bio-énergétique des millions d'humains qui vivaient sur le monde cible et dans ses avant-postes éloignés. Elle ne détectait pas directement la présence d'une énergie astromantique, mais elle savait, pour avoir suffisamment étudié la pierre noire et les astromanciens humains qu'elle avait capturés, qu'il y avait toujours un effet physique résiduel à la présence de l'énergie de la mer impossible, une ombre sur la réalité projetée par des pouvoirs surnaturels. C'est pourquoi elle pouvait sentir que les humains étaient en train de rassembler leurs forces astromantiques sur le satellite majeur en orbite autour de leur planète. Sa signature énergétique trahissait sa nature artificielle, celle d'une large station spatiale flottant au-dessus d'un monde à faible densité de population. Même à plusieurs planètes de distance, le rassemblement de vaisseaux et d'individus capables d'interagir avec la mer impossible produisait un rayonnement distinct. La citadelle qu'ils avaient affrontée lors de leur précédente bataille leur semblerait un obstacle dérisoire en comparaison d'une lune artificielle entièrement peuplée et bien défendue. Aotep avait beau souhaiter ardemment voir Simut échouer, son humiliation ne devait en aucun cas l'impliquer ni entacher sa réputation. Encore plus important, elle considérait que devoir recourir à la bienveillance de Simut pour sa résurrection était un risque inacceptable. Il en profiterait voire saisirait cette opportunité pour effacer complètement sa conscience. Face à l'incertitude de sa présence éternelle, la préservation de son enveloppe physique était primordiale. Pour toutes ces raisons, lorsque son vaisseau détecta une baisse significative du rayonnement énergétique émanant de la surface de la Lune artificielle, elle sut qu'il s'agissait d'un signal concentré visant à aller chercher de l'aide. La seule réponse appropriée était de rapprocher son vaisseau en l'utilisant pour attirer certains des escorteurs de Simut, de sorte à étendre la zone d'effet du nullificateur plus loin vers l'intérieur du système. Ce petit ajustement, d'environ une demi-orbite, était conforme aux paramètres autorisés par les protocoles implantés dans sa matrice de commandement. Quelque temps après avoir commencé sa manœuvre, elle perçut la présence de Phétos qui souhaitait lui parler. Elle autorisa l'intendant royal. « Salutations, Archimédion, » dit-elle alors que l'image de Phétos se matérialisait au-dessus du disque du projecteur dans une pluie d'étincelles dorées. « Je suppose que le Tétrarque vous envoie me sommer de regagner la position qui m'a été attribuée ?» Le grand faucon du vide n'a encore fait aucun commentaire concernant votre position, plasmancienne, répondit l'intendant royal. J'ai constaté un décalage et j'exige une explication en son nom. Vous exigez? Vous surestimez votre autorité, Phétos. Je n'ai pas à vous obéir, même si vous parlez dans l'ombre du Tétrarque. La flotte est en train de se séparer, Aotep, poursuivit l'intendant, son champ cortical émettant davantage de pulsations conciliantes.
Les vaisseaux humains situés à un quart d'orbite pourraient le remarquer et choisir d'attaquer pendant que nous sommes divisés. Ces vaisseaux sont le cadet de nos soucis. Joignez votre champ au mien et voyez ce que je vois, Phétos. Aotep étendit une invitation corticale à l'intention de l'intendant royal, ouvrant une minuscule fenêtre dans les systèmes sensoriels de son vaisseau. Elle sentit une brève friction quand Phétos accepta la connexion. La volonté du roi silencieux exige que nous procédions sans alerter nos ennemis de la nature de notre travail. L'expérience unificatrice se trouve dans une phase délicate. Toute contre-offensive agressive de la part des humains ou d'autres races pourrait mettre en péril le projet entier. Je vois des vaisseaux s'enfuir, rien de plus, dit Phétos. S'enfuir dans le but d'utiliser leur capacité astromantique. Ils pénétreront dans la mer impossible si nous les laissons faire. Et vous pensez pouvoir les rattraper? Non, bien sûr que non. Mais nous pouvons utiliser la frange de l'unificateur pour contrecarrer leur tentative d'évasion. Si vous pouviez convaincre le Tétra d'apporter le résonateur maintenant, cela augmenterait considérablement notre probabilité de réussite. Une sensation de séparation traversa brièvement Aotep quand Phétos retira sa matrice corticale. L'intendant royal demeura silencieux, sans rien révéler de ses pensées. Très bien, dit-il au bout d'un certain temps. J'ai persuadé le Tétrarque que la route menant au monde cible était dégagée. Le résonateur arrivera dans peu de temps. Je n'ai pas mentionné votre implication, mais continuez à avancer comme vous l'avez planifié. Je vous remercie, Archimédion. C'est mon devoir, rien de plus, répondit Phétos, tandis que son image vacillait avant de disparaître complètement. Encouragé, Aotep accéléra davantage, attirant plusieurs autres vaisseaux de la flotte à sa suite, afin de créer un éperon pointant directement vers le monde cible. Ses senseurs enregistraient des pics d'activité massifs qui déferlaient sur chaque longueur d'onde et sa capacité vibratoire et annonçaient l'arrivée du résonateur de pierre noire. Les vaisseaux porteurs décelèrent aux deux tiers de l'orbite d'un planétoïde derrière la flotte principale des ondes subsphériques les précédant dans le système intérieur. Le nullificateur s'intensifia immédiatement, bien que le résonateur ne fût pas encore pleinement activé, et se propagea au devant des vaisseaux de la dynastie Zarek comme d'anciens feux de balise éclairant des étendues sauvages peu après son arrivée. Aotep sentit une force refluer contre l'effet nullificateur. Elle ratissa le système solaire au moyen de ses systèmes longue portée à la recherche de la source de la perturbation. Un vaisseau avait pratiquement atteint le point limite entre le puits gravitationnel du Soleil et les étendues désertiques du système extérieur, où il pourrait activer ses réacteurs en toute sécurité. Elle réagit immédiatement et déclencha les routines d'urgence pour usurper brièvement les protocoles de commandement, permettant ainsi à son vaisseau et à ceux qui l'entouraient de bondir en avant, couvant près d'un quart d'orbite en l'espace de quelques instants. Le nullificateur se propagea en même temps que et s'élança à la suite du vaisseau en fuite, comme les vagues annonciatrices d'un raz-de-marée, avant qu'il ne déferle sur une plage. « Placement Sienne, que faites-vous ? » La voix de Simut retentit directement dans sa conscience via le réseau de communication de son vaisseau, comme si elle se criait elle-même dessus. Sa prise de contrôle n'avait pas été dissimulée, et à présent le Tétrarque réagissait. Aotep sentait les nouveaux protocoles de commandement qui tentaient de s'emparer des systèmes de direction et de propulsion du vaisseau, comme si on notait un par un ses doigts des commandes. Elle n'avait besoin que d'un instant de plus. L'énergie astromantique qui émanait du vaisseau humain s'accroissait de manière exponentielle alors qu'il s'apprêtait à quitter la réalité. Aotep noya ses systèmes dans une vague purificatrice d'énergie corticale, libérant ses propres réserves énergétiques pour surcharger la matrice. Des arcs d'énergie verte flamboyèrent sur le pourtour de la petite salle de commandement, s'ancrant dans ses vaporateurs crépitant le long de ses membres. Dans les derniers instants avant la cécité, ses senseurs captèrent la collision entre la vanne nullificatrice et les ondulations astromantiques du vaisseau en fuite. Le pouvoir de la pierre noire rencontra l'impulsion du réacteur warp. Puis tout devient noir alors que son vaisseau inerte dérivait dans le vide.